ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo retour de course de la semaine. Donc cette semaine j'ai fait mes courses à Auchan et Grand Frais. Grand Frais, c'est tout ce qui est fruits, légumes, etc., etc. Et Auchan. En fait, c'est très très rare que je vais à Auchan. Mais là, en fait, on avait eu des bons... Enfin, des chèques. Enfin, pas des chèques, mais des cartes cadeaux Auchan, en fait. Et comme on n'avait rien besoin de spécial à Auchan, en fait, je me suis dit, bah, autant les faire partir dans la nourriture, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai fait mes courses avec. Mais alors, voilà, c'est comme j'ai tellement peu l'habitude d'y aller... Ça a duré longtemps, c'était long, il y avait les rayons, j'ai dû chercher après tout, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas dans, dans les rayons, enfin, c'est des produits que j'ai pas l'habitude en plus, donc je devais chercher un petit peu, mais bon, c'est Marley, il veut jouer avec le lapin de Stacy. Alors on y va tout de suite, on commence par Auchan. Alors Auchan, j'en ai eu pour 155,13€. Alors j'ai pris, déjà j'ai reçu un peu de yaourt, je vous ai montré un... Enfin dans le vlog, je sais pas si je voulais montrer dans... Non, je voulais pas montrer dans le... Oui, dans le vlog, je vous ai montré, j'ai mon frigo qui était complètement vide parce qu'avec Noël, on avait fait des petites courses avant Noël. Et ensuite, après Noël, on a fini tout ce qu'il y avait dans le frigo et tout, on a fait un vide, voilà. Donc là, il était bien bien vide, il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris du yaourt grec, hop, j'ai pris de la faisselle, ça c'est pour moi, hop. Et j'ai pris du skir, j'en ai pris 2. Voilà, la marque Auchan. De Sio Pepper. Ensuite, laitage, j'ai pris. Je vais faire une salade César. Donc j'ai pris des copeaux de parmesan. Je vais faire un gratin. Alors, je pense que c'est pour les boulettes de gratin. Les gratins de boulettes sur pain avec la salade César. De la mozzarella en tranche. Alors je fais attention parce que Marley, qu'est-ce que tu fais? Angel, tu peux venir ramasser sa laisse parce qu'il est en train de tirer comme mon pied. Vous êtes posé en fait sur le tabouret. Le tabouret, il y a la laisse qui est enroulée autour et Marley est en train de pousser après. Donc vous risquez de tomber. J'ai pris du surimi râpé. Je vais faire des California Roll Bowl. Donc en fait c'est tout ce qu'il y a dans un California Roll, donc dans un sushi, mais dans un bol. Voilà, on adore ça, et les enfants adorent les sushis aussi. Donc ensuite j'ai pris du cheddar. Je vais faire des mini pains de viande cheddar et bacon. De l'emmental râpé, c'est pour les différents gratins de cette semaine. Je me suis pris du blanc de poulet parce qu'en ce moment, j'ai envie de déjeuner salé. Et voilà, c'est un truc que j'aime bien manger le matin. Du jambon, les endives au gratin de ce soir. Hop. Du beurre. Du fromage frais, ça c'est pour mon gratin, enfin les boulettes sur pain au gratin. En parlant de boulettes, j'ai pris des boulettes toutes faites. Voilà, plutôt que les faire maison, je me suis dit que ça fera gagner du temps. C'est une recette un peu express, celle-là. Donc, j'ai pris un gros bloc de filet de dinde, un bon gros filet de dinde. Je vais faire un rôti de dinde avec du lard et de la moutarde. Je vous montrerai la recette. C'est une recette que je vais vous filmer. Avec la nouvelle organisation, en fait, il y aura 3 recettes. Enfin, je vous expliquerai après. Mais il y aura 3 recettes filmées à part, quoi, en fait. Et cette recette en fait partie. Greg m'a demandé un pot-au-feu. Donc, j'ai pris beaucoup de viande à pot-au-feu. Parce que souvent, le lendemain du pot-au-feu, on aime bien manger les restes, en fait. En fait, le pot-au-feu me fait 3 repas. On mange le pot-au-feu. On mange ensuite... Enfin, on boit le bouillon.
Et le lendemain, je fais ce qu'on appelle un roux. C'est une recette qui utilise en fait les restants de pot-au-feu, ce que ma maman faisait. Je pense que je vous ai déjà partagé la recette, mais je me souviens plus. Peut-être au tout début du vlog, des vlogs ou quoi. Dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, si ça vous intéresse, je vous filmerai la recette et je vous la mettrai la semaine prochaine. Voilà. Je vais faire une plaque de saucisses avec des légumes. En fait, c'est très simple. Vous mettez tous vos légumes, vous coupez vos saucisses, vous les mettez dessus, vous passez tout au four. Donc, du coup, j'ai pris des saucisses de poulet. Alors, je vais faire ça aussi. Ça va faire partie d'une des recettes du bœuf coréen à la mijoteuse. C'est une des recettes que vous aurez aussi cette semaine. Donc, j'ai pris des filets de... Enfin, des escalopes de... Des escalopes. Des beefsteaks. Des steaks. C'est Greg qui vient d'entrer, c'est pas grave. Des compotes, pommes, mangue, passion et pommes framboises. Hop. Ensuite, j'ai pris deux paquets de viande hachée. Donc, il y a un paquet de 400 grammes et un paquet de 350 grammes et un paquet de 500 grammes. Alors, je vais faire le mijoté d'orzo. De bœuf à l'orzo. Et le deuxième, c'est pour des spaghettis sauce à la viande et aux épinards. C'est deux recettes qui sont déjà sur le blog. Ensuite, j'ai pris deux boîtes de concassé de tomates. C'est pour justement la sauce spaghetti à la viande. Greg m'avait demandé des gaufres pour le travail, donc je lui en ai repris. Alors, j'ai pris des bonbons sans sucre, menthe. Alors, rien que ça, à Lidl, on les a payé les sans sucre 89 centimes. Là, ils étaient 1,99€, la marque Auchan. J'en ai pris deux à la menthe et au truc. Mais il y a des choses, ça me... Ouh. Pour les mêmes produits, pratiquement, j'ai pris du café. T'as vu, Greg? J'ai repris du café en grains. Je savais pas lequel choisir. J'ai pris du grand-mère. Ouais. Je sais que tu l'aimais bien, celui-là, avant. Ouais. Voilà. En fait, il y en avait plein dans le rayon et je savais pas lequel prendre et tout, donc du coup... Toi, tu prends une marque qu'on connaît, mon Dieu. Bah ouais, je me suis dit, voilà, grand-mère y aimait bien, donc... Des petits gâteaux pour les enfants déjeuner quand ils ont pas le temps. Je t'ai repris aussi un paquet de gâteaux comme ça. Ouais. Donc c'est des gâteaux, Greg aime bien les manger... Dimanche après-midi, je sors pas. Avec le... boire avec le café ou quand... Ensuite, j'ai repris... des pâtes, alors je suis revenue aux complètes parce qu'en ce moment je vous ai dit après Noël et tout là j'ai envie de, voilà c'est ce que j'ai... vous allez voir, il y a plein de légumes après, plein de fruits, parce que c'est voilà, c'est mon corps qui me le réclame quoi en fait, donc j'ai pris des spaghettis justement pour faire les spaghettis sauce à la viande et aux épinards. J'ai pris des coquillettes complètes. Alors faites attention quand vous achetez des pâtes, parce qu'il y a des moments on pense que c'est des complètes, mais il y a juste un tout petit peu de... en fait c'est un mélange de blé normal et de blé complet. Faut vraiment prendre les intégrales en fait. Regardez la liste des ingrédients, vous verrez. Là, celle-là, c'est vraiment fait qu'à partir de blé complet. Et j'ai pris des coquillettes parce que j'aime bien avoir un paquet d'avance au cas où. Hop. Ça, ça doit être Kim, ça. J'ai repris aussi du riz complet. De l'orzo pour mon mijoté d'orzo. Ensuite, de la sauce tomate, purée de tomate pour faire le gratin de boulettes sur le pain. J'ai pris un petit peu de truc apéritif. J'ai pris des bretzels, Greg aime bien, des gros bretzels. J'ai pris ça, en fait on aime bien les tremper, un peu comme des tortillas en fait. Donc là j'ai pris des natures parce qu'il me reste de la tartinade au saumon enfin un pot complet de Noël. Et puis des crackers comme ça, ail, crème d'oignon. Attendez, je réponds à Kim et je vous reprends. Alors c'était Kimberly qui essaye de faire des meringues. Et du coup elle demandait des conseils. J'ai pris aussi de la pâtée pour Marley. Alors en fait il mange pas ses croquettes et il nous restait de la pâtée de princesse qu'on a tenté en fait. On a mélangé ça avec ses croquettes et il mange tout. Autrement les croquettes il reste là et il chouine, il pleure en fait parce qu'il a faim et il veut pas les manger. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'elles sont trop dures, est-ce que c'est parce que ça lui plaît pas. Voilà. Mais mélangé aux croquettes, il les mange. Enfin, mélangé à la pâtée, il les mange. Donc du coup, bah, j'ai racheté de la pâtée. J'ai acheté de la pâtée junior
on va lui mélanger un petit peu et puis on diminuera la quantité de pâté au fur et à mesure, parce que je sais que c'est pas trop bon en fait la pâté, en fait c'est mieux des croquettes, en fait des aliments plus secs quoi, en fait. Mais voilà, donc on diminuera au fur et à mesure la quantité de pâté pour arriver à des croquettes croquettes. Alors est-ce que c'est parce que c'est les petits que ça fait peut-être mal à ses dents, enfin j'en sais rien. J'ai pris 2 bouteilles d'eau pétillante, comme ça c'est pour moi. J'ai pris au citron et puis aux agrumes. Et ensuite j'ai repris mon assouplissant, ma lessive, et je me suis laissée tenter par ça parce qu'en fait on m'a dit que c'était un super détachant. On testera ensemble, enfin je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas. Il paraît que ça enlève bien les taches, donc je voulais tester. Hop. Et on a repris un gros rouleau pour les petits accidents de Marley, de Sopalin, et puis indispensable de toutes les familles, hein, le papier toilette. On continue avec Grand Frais. Alors, je me souviens plus si je vous ai dit combien j'en ai eu à Auchan. J'en ai eu pour 155 €. Là, à Grand Frais, j'en ai eu pour 67,75 €. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de fruits et de légumes. Je prends au pif. Hein. Épinards pour ma sauce à la viande, spaghetti à la viande et aux épinards. Des champignons, je vais en avoir besoin. C'est pour ma plaque. Je vais les mélanger en fait dedans. Je vais en mettre dedans et après je pense que c'est tout. Ouais. Hop. J'ai repris de la maïzena. Il n'y en avait pas au champ et de toute façon elle est moins chère à Grand Frais. En fait c'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est que j'ai pas trouvé le rayon. J'ai pas trouvé le rayon farine, je sais pas, tout était... Je vous ai dit tout était changé donc du coup... Non j'ai pas trouvé le rayon farine en fait, mais j'ai peut-être passé au-dessus. Hein ? Il est derrière les alcools. Ah bah je suis pas passée par le rayon alcool. Voilà. Des poires, hop. J'ai des petites tomates, brocoli. Alors il y en a un qu'on va manger en accompagnement avec le bœuf coréen, et il y en a un que je vais mettre sur ma plaque avec les saucisses. Le pot-au-feu, je congère tel quel. Bah oui, je vais tout faire, je pense. Et les steaks grillés, pareil. Ouais, aussi. Des pommes. Alors c'est des champs de clair. Elles sont trop trop bonnes celles-là. Quand on va au verger en cueillir, voilà, en fait elles sont vraiment très très bonnes. Quand on va au verger en cueillir, on en prend tout le temps plein. Cette année on n'a pas pu y aller avec le confinement, mais on en prend tout le temps plein parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Des petites Clément Villa, hein, des radis, c'est pour moi ça, de la sucrine pour faire, je vais faire une salade en quartier. Je vais sûrement la faire avec la sucrine ou avec de l'iceberg. J'ai pris aussi une iceberg à voir. En fait, c'est une salade que je coupe en gros quartier et que je fais avec une sauce au gorgonzola. La recette, pareil, est sur le blog. J'ai pris des haricots plats. Des petits... Il y allait dans les chaussures. Du raisin. J'ai pris des blancs de poireaux pour le pot-au-feu avec 2 navets. Quoi tu as ? Tu veux du navet ? Des endives pour faire les endives au gratin de ce soir. Un fenouil pour la plaque. Il y avait des courgettes à Grand Frais qui n'étaient pas très chères, donc du coup je sais que c'est pas la saison. Mais voilà, elle me donnait envie, je me suis dit que j'allais les rajouter sur ma plaque. En fait, la plaque de saucisse, vous mettez ce que vous voulez. Je vais faire les California Roll. Il me fallait un concombre, donc j'ai pris le concombre qu'il y avait à Grand Frais. C'est un mini concombre, il y en a largement assez. Et un avocat pour mettre dedans. Un poivron, c'est pour la plaque aussi. J'ai pris aussi, il y avait des petits bok choy. Hop, donc... J'en ai pris un petit peu, pareil je vais mettre sur la plaque. J'ai pris des œufs, comme d'habitude à Grand Frais, je prends tout le temps des œufs. Des carottes, radis, carottes, ça c'est les indispensables. J'ai pris des kiwis pour moi les petits déjeuners. J'ai pris 3 kiwis verts et 2 kiwis jaunes. Et j'ai fait le plein de bananes. Alors j'ai pris des bananes roses, j'ai pris des bananes normales. Et ensuite, il y avait une petite main comme ça, je trouvais ça trop mignon, j'en avais déjà acheté l'année dernière, elles sont vraiment très très bonnes ces petites bananes. Puis quand on veut mélanger plusieurs fruits, ben, ça évite d'entamer une grande banane. Si mettons, vous voulez mettre un kiwi et puis une banane,
dans votre petit déjeuner, ben, les petites bananes comme ça sont pratiques. Voilà, et ensuite j'avais envie, je sais pas, je suis passée par le rayon et j'avais envie de cornichons et de trucs au vinaigre. Je suis pas enceinte, hein. Des envies bizarres. Donc du coup, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas acheté. C'est des légumes au vinaigre et des cornichons polonais à la gredousse. Voilà. Donc voilà pour les courses. Alors, je vous mets en barre d'infos le lien déjà pour avoir le menu qui est du coup sur le blog, et aussi tous les liens des recettes que j'ai déjà fait et qui sont déjà sur le blog. Les trois nouvelles recettes de cette semaine, ça va être le rôti de dinde à la moutarde et au lard, le bœuf coréen à la mijoteuse, et on va faire aussi une recette sucrée. On va faire un coffee, un cake coffee, alors un coffee cake. C'est pas un gâteau au café comme on, mais c'est un gâteau pour accompagner le café. Mais bon, vous verrez ça très très vite puisque la recette, je pense qu'elle vient mercredi. Voilà. Mais tout est en barre d'infos. Allez voir. Donc du coup, le lien pour le menu, les liens pour les recettes que j'ai déjà fait. Donc je pourrais peut-être faire un petit point avec le menu. Donc le poulet tomate ail de ce midi, la recette est déjà sur le blog. Ce soir, c'est des endives au gratin. Demain, la plaque de saucisse de lait aux légumes, que je, recette que je vous partagerai comme ça. Vous allez voir, c'est pas vraiment une recette, mais je vous partagerai dans le vlog. Mini pain de viande bacon cheddar qui est déjà sur le blog. Saucisse. Spaghetti, sauce à la viande et aux épinards qui est déjà sur le blog. Le rôti de dinde qu'on fera ensemble, donc ça sera une vidéo recette. Le mijoté de bœuf à l'orzo, recette qui est déjà sur le blog. Bœuf coréen à la mijoteuse ou pas, parce que je vais vous partager la recette qu'on peut faire à la mijoteuse, mais je vais aussi vous partager la recette pour la faire que ce soit au cookéo ou à la cocotte. Les California rolls qui sont déjà bols, qui sont déjà sur le blog. Gratin de boulettes sur pain, pareil, c'est déjà sur le blog. Comme je vous ai dit, tous les liens sont en barre d'infos hein, pour les recettes que je vous ai dit ou qui étaient déjà sur le blog. Samedi, on va faire un pot-au-feu. Le soir, du coup, comme je vous dis, on mange le bouillon. Dimanche, alors j'ai mis steak frites, mais à mon avis, ça sera du roux. Du coup, dites-moi hein, si vous voulez que je vous partage la recette. Et dimanche, souvent le dimanche soir, c'est des restes. Et s'il n'y a pas de reste, ben, je fais une planche, style planche apéro. Voilà, on va ranger parce que c'est un peu la course. Ceci à foot. Et comme je vous ai dit, il est déjà 18h30. Alors rendez-vous dans un quart d'heure. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup bah à demain pour une vidéo recette. Bye bisous.